Le docteur Dracula s'aventura prudemment au plus profond de la jungle, parmi d'étranges créatures et de redoutables pièges. Le temps jouait contre lui. Il fallait rentrer au palais avec les vêtements avant le début de la fête. Il y a aussi des cartes des ennemis. Usant de ses talents d'explorateur pour surmonter les obstacles, il finit par atteindre l'entrée du temple. Aussi facilement? Ça devait pas être si dangereux que ça, alors. Attends, tout à coup, des vilains surgirent avec tout plein de pièges pour empêcher le docteur d'entrer. Trop cool! Mais non, ça n'a rien de cool! Wouah!
Par chance, le docteur Dracula était aussi rusé que séduisant et il élimina les méchants sans problème. Il ouvrit alors l'entrée d'un temple qui n'avait pas goûté aux rayons de la lune depuis fort, fort longtemps. Hein ? C'est tout ? Si c'était vraiment un temple interdit avec un super trésor, la porte devait être protégée par... Oh non ! Plus d'ennemis ! Un mécanisme tordu ! Eh bien, ça change. Aucun casse-tête n'était trop complexe pour un génie comme le docteur Dracula. Les portes s'ouvrirent et il pénétra dans l'édifice maudit. Et avant d'ajouter quoi que ce soit, Denis, regarde les terribles dangers qui le séparaient du trésor. Waouh ! Trop dangereux ! Eh oui ! Explorer des ruines antiques pleines de crevasses et de créatures venimeuses n'a rien d'une promenade de santé. L'histoire, lis correctement. Yeah.
Génial! Je l'avais pas celle-là. Encore une fois, le grand, le magnifique, l'incroyable docteur Dracula n'eut aucun mal à... Grand-père ! D'accord, d'accord. Le docteur finit par atteindre le coffre, renfermant les habits pour l'empereur. Je n'ai jamais vu un tel niveau de raffinement. Le coffre à lui seul est un bijou, dit le docteur Dracula, fasciné. J'espère seulement que la professeure Mavis s'en sort bien dans l'autre temple. Père ! Alors que la lumière de l'aube menaçaient de brûler leur cape. Les deux aventuriers revinrent juste à temps avec les cadeaux. Et voilà! Surprise! Tenez, votre majesté. Le royaume vous offre ses présents. Tout excité, l'empereur s'empressa d'ouvrir ses cadeaux. Mais il découvrit avec stupeur que les coffres étaient... vides. Ils ne sont pas vides, ils contiennent une tenue magique. Seuls les sages peuvent les voir. Un couvre-chef et une ceinture fort saillant pour un empereur. Si vous permettez... Et voilà. À ce moment,
Des fous rires éclatèrent. Voyant que l'on se moquait de lui, l'empereur fut convaincu que la professeure et le docteur avaient tout manigancé pour le ridiculiser. Fou de rage, il ordonna aux gardes de les arrêter. Quoi? Mais c'est pas juste! Eh oui, mais c'est comme ça. Séparons-nous. Le docteur et la professeure empruntèrent différents chemins pour avoir une chance de fuir le palais. Le docteur et la professeure empruntèrent différents chemins pour avoir une chance de fuir le palais. Sois prudente, professeur Mévis.
t'ai trompé de page. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Trompé de livre, parce que rien de tout ça n'est arrivé. Oh! La professeure Mavis eut affaire à une bande de malfrats. Oh non! On doit faire quelque chose! Je regrette, Dennis. C'est la fin. Non! Le temple était vieux et tombé en ruine. Alors le sol s'est effondré sous les pieds des méchants et ils ont fait une chute abominable! Si! Bien joué, Winnie! Mavis va peut-être pouvoir s'échapper. Il s'en est fallu de peu. Dis, Papy Drac, et le docteur Dracula dans tout ça? Le docteur parvint à semer les gars, mais se retrouva coincé, en plein cœur du temple qui était truffé de pièges. Un chemin et avancer. Ugh!
enfer et damnation. Un casse-tête d'une redoutable complexité bloquait la route du docteur Dracula. Allait-il réussir à le résoudre et à s'échapper à temps? Voilà qui devrait t'aider, docteur Dracula. Merci beaucoup, voix mystérieuse du ciel. Ça a marché! Génial! Je l'avais pas celle-là! On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre. Quelle équipe du tonnerre!
Eh oui! Maintenant, le courageux et séduisant docteur n'avait plus qu'à marcher jusqu'à cette tuile. Fait mal. Tiens, il ne me semble pas que l'histoire prenait cette tournure. Je vais la relire. Les deux compères étaient tombés dans le piège sournois de l'empereur. Oh non! Et ils devaient maintenant faire face à ses gardiens. Thank you.
Tu viens de l'inventer, cette histoire ? La professeure Mavis et le docteur Dracula avaient vaincu les gardiens. Mais l'empereur bouillonnait toujours de rage. Oh non ! On doit faire quelque chose. Pardon, votre majesté. On ignorait que ces vêtements ne vous iraient pas. Mais avouez que ça vous donne une drôle d'allure. Et alors ? L'impensable se produisit. L'empereur se mit à rire de son apparence ridicule et prit conscience. Que ce n'était pas si grave que ça. Il décida de passer à autre chose et annonça le début des festivités.
Et ils vécurent? Malheureux pour toujours. Maman, papa! Papy Drac nous a raconté des histoires. Et dans l'une d'elles, il fallait faire un gâteau qui pue. Et dans une autre, j'avais une montagne de bonbons. Oui, et il y avait une jungle effrayante, et un chasseur, et un tas de pièges pour attraper le grand méchant loup, Waouh, on dirait que vous vous êtes amusés en notre absence. Évidemment, je leur ai juste lu quelques contes d'effroi. Mais il est l'heure d'aller au lit. Oh, vraiment? Je veux en entendre un. S'il te plaît, il est encore tard. Non, non, c'est l'heure de... Allez, Papy Drac, encore une. D'accord, d'accord. Encore une, mais ensuite, au lit. Oh, oh, est-ce que ça peut être Blanche Spectre et les sept nains? Non, oh, pas celle-là. Elle va te donner des cauchemars.